Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Au sous-tac 509, à tout haïtien connecté. Dans l'émission, pour l'éditorial avec Yannick, on a continué pour tes informations pour vous. On a continué à brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. J'aime toujours aimer dire, yo peuple qui oublie l'histoire, condamné pour revivre mes erreurs, pour reproduire mes erreurs. Dans l'histoire du pays d'Haïti, depuis un bon bout de temps, il y a une seule catégorie de monde, il y a un seul groupe de monde qui nous rend responsable de tout malheur. Il y a un pays, nous pas capable parler de instabilité, nous pas capable parler de insécurité en Haïti pour le pas venir sous tapis pour diriger dans pays ça pour nous pas citer. N'a parlé de pays États-Unis. Depuis un bon bout de temps, et surtout après retour au premier ministre Gary Conny sous scène politique, il y a un seul bagaille qui a fait actualité. Il y a une seule famille qui a fait actualité, c'est la famille Clinton. Clinton, yo, après le tremblement de terre 2010, qui participait à détourner l'argent de reconstruction du pays d'Haïti, si nous avons déjeuné aujourd'hui, 14 ans après goudou goudou, 14 ans après tremblement de terre là, est-ce que petit coulier, est-ce que nous ouais Haïti était sous voie de reconstruction, qui quantité l'argent qui était dépensé, qui quantité l'argent qui était décaissé, qui gros projet qui était réalisé avec l'argent CIRH, l'argent de reconstruction d'Haïti, hein? Point d'interrogation. Mais c'est pas ni à ni jodi hein, que famille Clinton, ou bien pays États-Unis, ou bien nous ka dil tout carrément pays occidentaux, yo même yo a fait ingérence dans politique en Haïti, yo a tracé règle jouet là, yo a défini grande ligne politique haïtienne là, yo a pas choisi, proposé et même imposé acteurs qui supposaient chita sous table, acteurs qui supposaient dans résolution crise, et même moun sa yo pile fois qui participaient dans déstabiliser, dans créer chaos, c'est même yo koke nan gorge nous, yo koke nan kou nous, ou comprendre qui pour venir résoudre problème nan j'ai a fait là conseil présidentiel transition. L'important pour nous regarder ensemble avec moi, yon vidéo m'pote pour nous. J'aime toujours aimer dire yon peuple qui oublie histoire condamné pour le revivre même erreur. On nous a le fonti, on ti morceau l'histoire. Sous famille Clinton, n'a pas remonté sous époque ancien président Jean-Bertrand Aristide, n'a tombé dans le tremblement de terre là, rivé sous premier ministre Gary Conny, et de là étant, nous pral chercher konnen, nous pral comprendre bibye, qui rôle, qui mission, qui agenda réel que Gary Conny li genyen. Dans le moment où on a parlé à la, pendant la tête primature, on nous a regardé ensemble avec moi, vidéo aussi là. Lorsque Bill Clinton arrive à la présidence en 1993, comme tous les nouveaux présidents, il a besoin d'une victoire de politique étrangère et de rétablir la démocratie quelque part dans le monde. En clair, envahir un pays et placer un président à la botte des USA. Et une fois n'est pas coutume, ce sera Haïti qui sera choisi, malheureusement. L'ancien président, Jean-Bertrand Aristide, est en exil, mais il demeure très populaire en Haïti. L'idée est de le transformer en atout pour les Américains dans ce jeu d'échecs politiques qui se met en place. Il suffit donc de remettre Aristide au pouvoir en lui imposant certaines conditions, comme par exemple d'appliquer les prescriptions très dures du Fonds monétaire international. Le président Clinton va donc tenter de préparer son opinion publique à une intervention militaire en Haïti. Pourtant, les sondages montrent que 75% des Américains sont contre. Mais Clinton se fiche bien de son opinion publique et l'armée américaine débarque sur les côtes haïtiennes et prend le contrôle du pays en moins de 24 heures. C'est une invasion massive qui implique plus de 20 000 soldats soutenus par deux porte-avions. C'est l'opération Uphold Democracy. Raoul Cédras, le président haïtien qui a été installé par la CIA à peine 2 ans plus tôt, est prié de prendre la porte et c'est Aristide qui est rétabli dans ses fonctions. Une fois au pouvoir, Aristide est forcé d'appliquer les demandes du FMI et de la Banque mondiale, causant ainsi la colère de toute la population, car la doctrine appliquée est de réduire les services publics et endetter le pays jusqu'au cou. En 2009, Bill Clinton, qui n'est plus président, devient l'envoyé spécial des Nations Unies en Haïti. Il veut absolument convaincre Haïti d'ouvrir ses portes à l'investissement étranger et offrir sur un plateau la main-d'œuvre haïtienne à bas prix
aux entreprises nord-américaines. En 2010, un terrible tremblement de terre fait plus de 150 000 morts. C'est du jamais vu dans le monde. Plus d'1,5 million d'Haïtiens se retrouvent sans logement. C'est véritablement une immense catastrophe planétaire. L'industrie de l'aide humanitaire s'active. C'est là que le couple Clinton met en route une machine infernale. Bill Clinton se rend à Port-au-Prince afin d'organiser les premiers efforts de reconstruction. Bill est nommé au Fonds international de reconstruction d'Haïti, qui regroupe tout l'argent donné par l'ONU et par la Banque mondiale. Sa femme Hillary est secrétaire d'État à Washington. Elle est la chef de la diplomatie du président Obama. Elle se voit confier la gestion du fonds de 4 milliards de dollars du département d'État pour Haïti. Donc je résume, tout l'argent donné par le monde entier pour reconstruire Haïti est concentré entre les mains de deux personnes, le couple Clinton. Les Clinton tirent les ficelles pour gérer eux-mêmes l'allocation et la distribution de l'argent récolté, notamment avec l'aide de la Fondation Clinton. Pour seconder Clinton, on choisit le premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive. Ils sont rapidement accusés par la presse d'avoir recours à plusieurs stratégies de corruption afin de détourner l'argent de la reconstruction. Aujourd'hui, c'est public et c'est prouvé. Seulement 1% des dons a été envoyé au gouvernement haïtien. Des sommes 1%. Dérisoires sont parvenues aux entreprises et ONG haïtiennes. Une immense partie de cet argent a été versée à des entreprises privées qui profitent des catastrophes naturelles. Wikileaks, le site de Julian Assange, parle même d'une véritable ruée vers l'or, tellement les entreprises privées américaines veulent toute leur part du gâteau. Fin 2012, une entreprise américaine obtient un permis pour miner de l'or en Haïti. Tony Rodham, le frère d'Hillary Clinton, siège au conseil d'administration de cette entreprise. Déjà en 2005, Bill Clinton est allé au Kazakhstan pour dîner avec le très autoritaire président. Il est accompagné d'un patron canadien de l'industrie minière. Et quelques jours seulement après ce dîner, ce patron canadien obtient l'autorisation d'exploiter plusieurs mines d'uranium dans ce pays. Et peu après, 31 millions de dollars sont versés par des Canadiens à la fondation Clinton. Un hasard peut-être. Le manque de transparence des Clinton sur le financement de leur fondation n'a rien d'illégal en effet. Aux États-Unis, aucune loi n'oblige les organisations caritatives à dévoiler l'identité de leurs donateurs. Parmi les donateurs officiels de la fondation Clinton, il y a l'Arabie Saoudite, le Koweït ou le Qatar, mais aussi Coca-Cola, Monsanto ou encore la banque Goldman Sachs. Voilà. Là, nous sommes un petit mot sur l'histoire. Nous sommes un petit passé, un petit fourni, j'ai gardé. Qui ça, depuis un bon bout de temps, nous gagnons à reprocher la famille Clinton dans la politique en Haïti. Et nous, quand ouais, t'es gagné, comment il s'appelle déjà? T'es un professeur, pas vraiment son génome, non là. Qui lui-même, il tape, non, livre que lui écrit, il tape relaté que. États-Unis, pays États-Unis, à travers politique extérieure, yo gen surtout pour Haïti, yo gen yon plan chaque 10 ans pour yo exécuter en Haïti. Et plan ça, compatriotes haïtiens frères, c'est pas plan chaque 10 ans, c'est pas un plan qui pour remettre Haïti sur route progrès, c'est pas un plan qui contribue dans développement pays, mais nous plus senti son complot nèg yo gagnen chaque 10 ans yo renouvelé chaque 10 ans yo chercher l'autre acteur pour yo renforcer li pour toujours créer une situation de chaos de trouble en Haïti. En 94 sous président Jean-Bertrand Aristide j'ai intervenu. Et depuis lors on ka di nous politique économique pays d'Haïti nous commençons à prendre baf, économie nous on commencé à dégrader plus mal chaque jour plus. C'est instabilité économique, sur une question de dollar, l'argent américain qui a grimpé, qui a monté, goud nous pas gain valeur, économie nous a crasé, n'a breté, etc. Mais est-ce que nous ca rentrer dans une logique le hasard fait souvent bien les choses? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, mais plutôt ça fait partie de un plan, ça fait partie de un complot que nèg yo monté de toute pièce. En 94, mais Aristide, li vini là, 94, nous wè comment Américain yo te vraiment, yo te tien à ce que Aristide retourne, yo te tien à ce que Aristide te retourne dans le pays, etc. Mais c'est un hasard,
C'est pas trois ans, Aristide fait partie de un complot, Aristide fait partie de un plan qui exécutait. Joune jodia, ou pensez le fait que production nationale nous crase, nous pas qu'à produire du riz, beaucoup n'y a n'a fait effort, n'a fait tige effort, n'a souke kon nous. Mais le nègre te entendu avec Aristide, yo crase production et production du riz noir, valer l'antibonite, joune jodia, moun yo pas qu'à produire. C'est gang qui occupe tes paysans, c'est gang qui a fait, c'est gang qui a défait, etc. C'est la loi du gang. C'est la loi des bandits. Mais entre temps, qui ça nous est? Gang pas gang, bandit pas bandit. Jury américain toujours vini, oui. Bateau jury toujours vini, yon toujours débarqué, oui. Le on vole des trois camions. Ok, met jury ça, propriétaire jury ça, ça qui arrive, yon paye, yon récupère. Mais en gros, on regarde la réalité. Pendant que nous pas qu'à produire la caille, nous, du riz américain continue à prendre, du riz américain continue à envahir marché à Pirède. Et sous Aristide, le Aristide t'a accepté, l'Issien, l'État haïtien prend engagement envers Fonds monétaire international FMI pour baisser, pour réduire barrière tarifaire, pour ouvrir marché haïtien pour du riz étranger à venir. Mais pas de jambe bon non, pas de jambe gagné aucun groupe citoyen non, que dans société civile là, que l'inan et classe et politique là, que l'inan et classe économique là, tes jambes questionné sur avenir pays d'Haïti par rapport avec engagement ça, que équipe Aristide là, que Aristide allait pas quitter prend. Yo engagé pays d'Haïti et c'est ça que fait me dit nous, le nous gagné politicien de grande gauche ça yo, nous gagné politicien choul ça yo, nous gagné leader irresponsable ça yo. Qui préférait allier avec blanc avec international pour déstabiliser propre pays yo. Au final conséquence yo, c'est sous 10 ans, c'est sous 15 ans, c'est sous 20 ans nous pral wèl. C'est sous temps ça nous pral wèl parce que le nèg yo vini, là nous te commencé wè du riz étranger a yo vini, a fait publicité, a fait réclame dans télévision nous, n'a regardé wè oh du riz vini, oh ti du riz américain, ti grain ni léger etc. C'est ça yo t'a vendre nous comme publicité. C'est ça yo t'a vendre nous comme image. Ou appel pi bon marché ou dou liquide pi rapide li prend moins d'eau etc etc. C'est ça yon t'a vann nou. C'est avec le temps nous pral comprendre que du riz sa li ba nou toute qualité maladie li augmente et li a bon cholestérol la fè ventre ou vin gros li a ba ou li enflé tout corps ou li ka fò fè sucre manger sur le long terme etc etc. C'est avec le temps vinn comprendre conséquences yo. Mais la publicité ça te rentre la caille nous pas jamais comprendre réalité en vrai. Nous pas quand j'aime comprendre ces productions nationales nous on est gote gagne un plan pour écraser. Nous pas quand j'aime comprendre réalité. Mais journée aujourd'hui qui ça nous fait? Nous fait bataille canal là, bataille KPK, bataille KPR dans malfaiti, bataille canal fariné, bataille canal Tobek etc. Tout côté qui gagne canal cap construit. Nous commencer voyons signal clair ba yo ka fait ça yo vle, Jean yo vle Jean hôpital mais nous même nous comprendre jouet ka fait là. Et journée aujourd'hui équipe Clinton ça malgré de 2014 jusqu'à aujourd'hui là yo pas répondre de zak yo pas répondre de méfaits yo pas répondre de dérive de corruption qui fait dans l'argent reconstruction pays d'Haïti yo même moun sa yo qui t'ai participé l'on prend Jean-Max Bellerive pour nous récompenser c'était premier ministre oui était premier ministre nèg sa yo t'ai besoin pour yo rester dans pays yo pour yo t'ai grade PM ou pran Gary Conille journée jodi an pour nous récompenser nous remettre le premier ministre encore oui donc qui ça nous ka attendre même équipe yo même moun yo même acteur yo qui ça nous ka attendre go bay en plus nous ka attendre de yo cause yo en pile compatriote haïtien frère chum n'avance il Haïti nous qui comme ça c'est pas un hasard c'est un cumul d'échecs son cumul d'irresponsables son cumul de volets de gang habillés de gang adverse qui passait en dedans l'état qui comprend trésor public l'administration publique là c'est bien maman yo papa yo c'est et tout vous me cedo c'est là pour yo venir enrichir yo vous comprenez là on a poste de responsabilité yo jamais bay résultat gagoter l'argent gaspiller l'argent nous tout connaît gon question de service de renseignement que ce soit au niveau de ministère intérieur gain l'argent pour renseignement au niveau de la primature gain l'argent pour renseignement au niveau de la DCPJ gain l'argent pour renseignement mais est-ce qu'on on est comment là non seulement est-ce qu'on connaît combien l'argent lié est-ce qu'on connaît comment l'argent ça a dépensé comment l'argent ça a venu
Est-ce que y a contrôle? Est-ce que pas y a contrôle? Qui ça véritablement qui régler avec l'agent renseignement pays d'Haïti? Même pays d'Haïti, ça, chaque jour, bandi a valé terrain, bandi a pris territoire, kaye pa kaye, quartier pa quartier, ville pa ville. Est-ce que nous connaissons véritablement qui ça a réglé dans ce moment-là avec l'agent de renseignement? On nous attendait ensemble avec moi rapide, vite. Et Yoti Badbouche, ancien premier ministre Lapin, Jean-Michel Lapin, époque li TPM, comment l'agent a lui-même li te kon dépense? On nous attendait rapide. Histoire pour la vérité, Jean-Michel Lapin, est-ce que ou gagnez ou même on cop comme ça, côté qu'on a gagoté, comme bon, service d'intelligence? Écoutez, service d'intelligence, contrairement à Sam Dandé Abdi Souli, et moi, semaine dernière, tout est bon, Souvenet Saint-Louis, qui a parlé et qui a avancé, que, et comme intelligence est bon, est budgétisé. Plusieurs m'ont toujours dit que son caisse noire. Non, pas aucune vérité dans ça. Institution, ça a encore sauté par l'IA là. Il y a gagné un ligne budgétaire qui est clair et qui a prouvé même déjà toute l'autre ligne budgétaire devant le Parlement. Donc, il fait objet de même traitement à l'autre ligne budgétaire. Donc, a fait des caisses noires. Il prend une caisse noire après? Non, il y a au moins 25 à 30 personnes qui participaient dans le traitement dossier ça qui aboutit jusqu'à la BRH pour capable jouer une cobla en liquide Jean Divinir. Donc, moi, quand on a l'Elvin, on ne peut pas faire son vlavel, on ne peut pas apprendre là. Ou bah, ou, voilà. Si c'est un moment, c'est journaliste, on ne peut pas prendre un million de goudou, on ne peut pas prendre. Pas que ça, c'est parce que pas que mon capot de rapport. Écoute, voilà, c'est ça, c'est parce que il y a parlé d'intelligence. Je dis à là, ou dit un droit ou agent de la primatina fait intelligence, mais mon pas connaît son undercover. Son mon connaît. Il pas service d'intelligence quoi. Il pas service d'intelligence. Donc il fait dans tout pays. Non, mais quand même, non. Donc tu nous fais quoi là? Je dis à mon pas prendre responsabilité. Sous ça, l'autre monde fait avec comme intelligence. Moi-même, j'ai parlé de tête, moi. Non, de tête, j'ai parlé de montant. J'ai toujours présenté lui comme un paquet de l'argent. Non, t'as pas demandé de montant, oui. Même. Donc, pendant que j'étais là, il était 22 millions de gouttes. Il était 22 millions de gouttes. 22 millions de gouttes chaque mois. Et puis, ancien premier ministre Lapin, li di moun yo présenté comme un paquet l'argent, comme un paquet de bagaille. 22 millions de gouttes chaque mois, oui. Non, ok, on quitte PM, on finit de parler, et puis on fait commentaire yo après. On a dit. Pendant que là, il était 22 millions de gouttes. 22 millions de services. Chaque mois. Chaque mois. 22 millions de gouttes. Et la première fois, il y a des questions là. Mais c'est li destiné avec un bagage. Un bagage que le pays a besoin pour fonctionner. Dans l'époque, il ne faut pas oublier de nous, dans l'époque pays loc. On a un pays loc. On a un pays loc. Donc, qui Jean-Michel Lapin a utilisé? Moi, chaque deviné. Il n'y a pas de l'on faut. Il faut qu'on ne pas ça. Bah même, c'est l'administrateur qui a responsabilité à faire comptable. C'est eux-mêmes qui gagnent la mer. Hein? Et bon. Pour un ministre, ça ne va pas avoir comme ça. Je ne parle de Jean-Michel Lapin. Mais non, ça va me trouver. Non, pour un ministre. Je ne sais pas si Sylvie a un billet 1000 gouttes, Sylvie a un billet 500 gouttes. Ça ne va pas avoir comme ça. La première action que je me fais, parce que nous avons gagné une cellule de travail, côté que la police a gagné un peu. Nous avons fait intelligence qui l'a primature. Ok. L'armée d'Haïti est impliquée dans la dynamique pour nous de l'autre pays. Travaux publics sont un élément déterminant et dans ça. Donc, nous-mêmes. Et ça, c'est priorité. C'est ça, c'est priorité. Donc, moi, je vais mettre l'administrateur en lice avec une personne contact dans tout ce qui nous sommes dit là, et puis nous me dit, mais
un tel temps. Et la police te gon problème de gaz, j'ai époque à chaque fois vous sortir le gaz. Donc au lieu que moi-même moi t'ai acheté fiche gaz par la police, nous t'ai payé des pompes, nous t'ai fait des dépôts à location côté ces machines la police là qu'elle prend gaz là directement parce qu'elle devait rassurer nous. Machine à gaz là-dedans. Donc ma ça permet de bah un petit bon blague bah en vérité me songe le directeur rapport vini ministre de remplacer il venait pas chez dehors donc allocation ça support primature à service intelligence essentiellement. Ok, donc, support primature pour intelligence la police, les robots de la M. Rameau, M. Pebra. Combien de temps il est ça? 2 ou 3 millions de gouttes. Combien de Pebra? Non, parce qu'il n'est pas habitué avec ça. Donc, oui, parce que c'est fait monter. Il fait monter son nez droite. Il dit, bon, ok, bah, administrateur, Ali. Et n'a dit administrateur ça pour faire pour lui-même c'est ton piège que je t'attends pour lui. OK, bon là nous attendons quelques détails que ancien premier ministre Lapin lui-même l'a bail sous l'argent qui était disponible pour service de renseignement et le TPM 22 millions de gouttes chaque mois les 12 ça pas rien 22 millions de gouttes chaque mois pour renseignement ça pas rien mais faudrait-il que paye te wè qui ça t'a fait avec tout million ça chaque mois n'a pour recevoir en liquide encore en liquide oui c'est pas un chèque comme si au dou c'est dans cadre un projet comme la disponible ni ou même sauvelé et son besoin comme renseignement information etc. Non l'argent vient cash nan men yo l'argent vient cash joine PM non pour PM ça lui même li dou département il c'est administrateur etc. comptable qui te et dispatché comme blanc. Mais en réalité, c'est que l'argent qui est toujours disponible pour le service de renseignement, le n'a fouillé, cherché, essayé de comprendre qui est véritable mission l'argent, qui ça n'est pas réglé avec le renseignement en vrai, ou pas, qui ça pas pour qui résultat. Ou pas pour qui résultat, parce qu'on sentit comme ça, c'est comme si son l'argent et nous pas de gagner pour nous faire. Gros premier ministre, nous dit premier ministre, nous envie faire le cadeau en 22 millions et goud chaque mois. Et puis, s'entendez à là, n'a pote le bali cash. Parce que, au niveau du ministère de l'Intérieur, pour bon service de renseignement, faudrait-il que la police ou acclame ou, non seulement yon opérationnel, mais ou est tout, qui résultat qui baille, et son durée, son période de temps, ou est qui ça qui pote comme changement? Ou est qui ça qui vini, qui atterrit comme changement par rapport avec bataille, par rapport avec l'âge qui a dépensé, par rapport avec nous, nous devons payer dans le service de renseignement. Et en Haïti, nous avons le service de renseignement dans le ministère intérieur. La primature gagne l'argent. Nous gagnons des CPJ qui gagne l'argent disponible. Donc, son paquet de cob, nèg yo y a brassé entre yo. Pour qui résultat ou pas jamais véritablement ouais qui ça service de renseignement li baille de manière palpable et m'pral le montrer nous baille tellement son vérité si en Haïti nous dit que n'a pas combattre gang n'a pas combattre bandit n'a pas combattre insécurité ya tendez oui moun yo moi même toujours dit chaque ça nous fait chaque action des conséquences. C'est petit, comme on a toujours dit, c'est petit, mais c'est gros. Si, ou on a fait avec un volé, ou on a fait un caillou, li kon leve tapi, li kon prend 50 kob, li kon prend 25 kob, li kon prend goût de kaou, ou pas corriger, ou pas faire un yé pour changer situation, eh bien, pas ou comme parent pour crier. Pas ou comme parent pour crier parce que, sou qui te levé avec vislo, qui te levé avec manio. Donc, pas étonné, ou non 5 ans, 10 ans, s'il vient gros kidnapper.
Sylvine gros chef gang, Sylvine gros bandit, parce que là était qu'on a volé pitié, là était qu'on a pris pitié, ou pas de connaître dresser bois qui cochi, ou pas de connaître mettre l'ordre dans des ordres, eh bien journée jodia, pas vinn crier, pas vinn faire l'aide. Ou pas besoin avoir qu'on clashe de trois fois pour dire c'est pas de pitié, tout le pas d'enfant ou etc. parce que c'est où qui te bois cochi. Nous gè service de renseignement dans pays nous. Nous gagnons un paquet de nèg qui fait l'argent sous le peuple. Un paquet de nèg qui sont confortables dans l'insécurité, confortables dans la situation chaos, parce que laisse l'argent brassé en liquide dans le pouvoir l'État sans contrôle. Et nous sommes tant d'intervention de ce premier ministre Lapin. De 2017 à journée aujourd'hui, 7 ans après, qui côté sécurité pays en yé? Et il est tellement vrai, moi-même, m'a demandé tête, moi. Est-ce que nèg sa yo yo pa gêné yo pa honte kou yo kite pouvoir l'état yo se nèg kite pi 5 te passé yo pa de jambe nan corruption yo pa de jambe nan mauvaise affaire oh 22 millions de gouttes vini en liquide ou pa jambe garder l'on fois c'est administrateur c'est comptable seulement qui ou lagé nan kobza hadi mes pm nan pran moun pou makak mes amis on nous garder ensemble avec vidéo aussi là nous pral comprendre gadou là à qui l'âge commencé et a fait game za yo kembe zam. Bon, je ne sais pas l'âge. Et... Non, à l'âge, tu as commencé. Je commencé dans le game là depuis 2017. 2017? À nos jours. À nos jours, LinkedInet. Gros coup de balle. Vous avez petit? Oui. Nos pays comme ça, qui jouait à venir petit tout? Nos pays comme ça, et j'aimerais venir petit, moi-même, dans mes ouais. De même le mbala pour payer à venir manger vos petits mandats vivre bien. C'est pas celle pas non? Tout le monde t'a vivre bien. Il n'y a pas parler de celle pas non. Voilà. Là, nous trouvons nous dans le Grecier. Côté méga exam, bandit sans foi ni loyo, mais pays, l'État pays, nous dirigeants pays nous. Il a fait des faits. Voilà. Je mettez pieds au terre et défilé. Nous allons donner des conseils. Nous allons donner. Voilà. C'est le chef, c'est lui qui a fait la loi. C'est ça qu'Haïti a. Côté la monomilie. Mali, depuis le coup de balle absolu, pour faire un petit 4 parce que nous-mêmes nous allons débloquer. Même là, nous allons débloquer. Côté le bloqué, vous pouvez rebloquer le plus bas. Mais ça, tout cause, nous marchons sous fiel, vous allez net. Allez net. Chaque côté bloqué, nous allons dans le monde. Dernier semaine, pour le bloquer. Nous avons une petite machine qui a passé à pied, oui. Ça veut dire que la route est bloquée. La route est bloquée, oui, la route est bloquée. Vous avez toujours dit nous et nous-mêmes qui avons fait peuple par ces misères. Vous commencez si nous avons fait peuple par ces misères. Chaque jour, si machine qui a côté passé, maman, Jolz a mis au passé. Est-ce qu'il y a une ce gros paquet qui passe là, tu as là, tu as suivi là, tu as pris des cas passés, mais gardez bouette qui est venu. Ce temps là, ou bien je sais de nous, et c'était nous-mêmes. Bon, on nous fait un petit campé là. Parce que depuis hier, il y a une vidéo qui est virale, côté que les nègres grecier, bandit grecier, ils ont été bon à Jambisap. Et pendant le week-end, après un pile bastonnade, ils ont été a jambé sa plan, yon ronfle le bien ronfle, parce que yon dit c'est tout la policier, et yon malmené l, et hier yon finalement yon libéré l. Yon tapral bali et 100 000 goud, m'am gade en pile réaction sur réseau, moun kap félicite bandi yon, moun kap di bandi yon merci, moun kap di bandi yon fait bel geste, moun kap, oh paquet, moun saisi, m'étonne, m'am mande vek moi, est-ce que c'est non rêve mien? Pour haïtien encore moun sa yo kap subi oppression bandi yo pou se yo kap di merci papa bandi oh nèg yo fè bel geste nèg yo bay a jambe sa place 100 000 goud mais nous pa gade yon seconde ki situation terreur que nèg exam sa yo yo mette nan peyi a yo mette nan gresye kote moun ap kouri kite kay yo. Moun a passé en bas flamme di fe, y a coupé tête moun, y a touye moun, y a assassiné moun, y a fait, y a défait, y a défié autorité, etc. etc. Comme si yo se sel kok chante. Après yo fin maltraité, malmené, tout pizi, démonté, démenti.
tibile à jambé sa plan. Et puis, yon pral bal 100 000 goud ou 100 000 goud qui représente l'argent secret lui. L'argent tellement lui yon bali. Parce que situation ça, qui sa bagay la vinye? Même jan, bandi yon di à jambé sa plan et tout est la police. Qui réaction policier sa yo? Yo dit que te mette à jambé sa plan à te nan chablende ya. Policier sa yo, qui réaction yon pral gen vis-à-vis de à jambé sa plan de citoyen? Vle des fois faut nous prenons un petit temps pour nous réfléchir. Pour job malaire, yo fin démonter, yo bal 100 000 gouttes, yo bal comme cercueil, yo bal comme enterrement, yo voye l'aller. Grâce yo patouyer OK, mais yo voye là le prendre moi en l'autre façon l'autre gens. Mais n'a tendé dans commencement mon cher a déclaré lui-même, li gagné 7 ans depuis la gang. Li nan gang nan, li nan activité yo depuis 2017. 2017, 2024 fait exactement 7 ans. Si pays a te gon service de renseignement vrai, si nous te gagné, yo la police qui opérationnel, yo la police service de renseignement, l'agent renseignement yo t'a bien utilisé. Est-ce que de 2017 à 2024 à journée jodi an, gang nan pays a se renforcé, yo t'a renforcé? Est-ce que dès les qu'on a payé en c'est pas 10 par 20 par 50 tu t'as multiplié? Est-ce que les gars exam n'ont payé en journée aujourd'hui en c'est quartier par quartier, caille par caille, ville par ville, yo continue à mettre moun dehors? Qui ça l'agent ça a fait? Qui ça l'agent ça t'a réglé sur Ariel Henry? Qui ça l'agent ça a réglé journée aujourd'hui en là? Sur Ramon Ormil, qui ça l'a réglé journée aujourd'hui en là sous premier ministre Gary Conille? L'agent service de renseignement, l'agent information, il sorti de 22 millions de gouttes. Je ne j'ai dit, on compte combien de liens? On compte combien de liens, je ne j'ai dit? On compte combien de liens sur Ariel Henry? Je dis, là, c'est de 30 millions de gouttes. Vous n'avez pas parlé pour moi. Qui intérêt Ariel Henry à équipe de gagner pour te monter l'agent renseignement, sort de 22 millions à 30 millions de gouttes, alors que pas de merde qui a réglé dans l'État? Alors que sur Ariel Henry, c'est moun qui t'a mouri, c'est bandit qui t'a terrorisé population, c'est moun qui t'a couru qui t'a caillou, c'est quartier, c'était territoire perdu qui t'a gagné, alors que l'argent renseignement l'a augmenté. Parce que dans la question renseignement, ça a son l'argent caché, ça a son l'argent, et comme tu as dit ça, ça a son l'argent pas de trace, parce que tout ça qui est pour avec renseignement, est-ce que quand il y a ULCC qui a demandé, tu as 30 millions de gouttes qui t'a là pour renseignement, comment utiliser? Eh bien, c'est dit, c'est mettre en danger la vie agent yo, la vie moun kap bon information yo, la vie informateur yo. Donc, nèg yo ap toujours chercher une façon pour yo renforcer, vous comprenez, pour yo doubler l'argent renseignement parce que ça son l'argent cash, son l'argent véritablement qui pa bien suivi que fait sous li. Donc, n'a pas comprendre, nèg yo pas une volonté vrai. Et hier les colonels Imler rebutab dit que question sécurité à résoudre problème insécurité hein? Tout dépend de idéologie moun ki gen pouvoir yo nan men yo. Tout dépend de idéologie que équipe qui sous pouvoir yo gagne. Qui ça yo gagne nan vision yo, qui ça yo gagne nan programme yo, qui ça yo gagne nan projet yo. Si nous gen courage pour n'ap augmenter, pour n'ap multiplier, pour n'ap additionner, pour n'ap doubler l'âge de service de renseignement pays hein? Et chaque jour, c'est quartier par quartier, bandi ap mette moun dehors. C'est caille par caille, bandi ap mette moun dehors. Qui véritable intention nous? Nous avons intention pour mettre sécurité, ou bien nous avons intention pour mettre moun dehors. Nous avons complicité avec bandi yo. Ou bien nous avons complicité avec bandi yo. Moi même, voulais nous comprendre que nèg ka fè politique en Haïti, s'en fout pas mal. Que gagne sécurité, que pas gagne sécurité. Que gen instabilité, que pas gen instabilité, depuis yon ka pren pouvoir, depuis yon ka gère pouvoir, ça pas gade yo. Ça pas gade yo. J'aime te annoncer le nan commencement émission. Compatriote Haïtien Frèchèm, bataille pété, l'obèye éclaté nan politique nan pays d'Haïti. Faudrait-il que politique l'an te gon la, je t'a brassé la dans le tout bon pour nous comprendre? Gè gros intérêt qui en jeu. Tout groupe, tout clan, tout couche, c'est intérêt pa yo vin défendre. Pa gen question intérêt pays. Dim ki dim intérêt qui est soit protéger m'ap dou nan ki clan yé. Dim intérêt qui groupe ou vle préserver m'ap dou nan ki clan yé. Eh bien c'est exactement ça qui gen là.
Conseil présidentiel transition, hein, levé, gros chirépite, gros lobeye, nan mitan divers secteurs dans le pays d'Haïti. Par exemple, nous gagnons les secteurs protestants qui ont même dans ce moment-là, dit fait levé dans mitan yo parce que yo doué et à l'unanimité choisi un membre qui va gagner pour faire partie du conseil électoral provisoire. Et conseil électoral provisoire, n'a pas parlé de lui. C'est une occasion que nèg yo pa bon ici gagner pour yo brasser cob pour yo faire ti cob yo puisque nous connaît et nous amis qui pas connaît lui m'a tout dit nous dans conseil électoral là depuis le fin monter conseiller pour petit et chaque mois y a touché 1 million de gourdes. 1 million de gourdes là et qui équivaut à près de $10,000 américains chaque mois. $10,000 américains et sans compter dossier corruption magouille qui qu'on a éclaté, scandale corruption qui qu'on a éclaté côté que conseiller eux-mêmes yo prend l'argent nan main et des séries de candidats pour faire yo gagner élection pour yo vendre élection etc. Donc gen bataille secteur et protestant a fait bataille, secteur vaudou a fait bataille. Donc la presse qui gagne pour yo voyer représentant yo c'est l'obéi. Donc tout le monde ta remè se yo ki gen moun pa yo pour yo séparer kòb lan, pour yo brasser kòb lan, pour le pral gen marchandage politique ka fèt pour se ekip pa yo, pour se moun pa yo etc. etc. Donc nous commencer comprendre, nous commencer wè clair, c'est pas en question de pays vraiment, mais plutôt c'est intérêt qui est qui groupe. Donc jounen jodi an sa k ap pase nan conseil présidentiel transition, c'est une occasion en plus. C'est une occasion en plus pour nous comprendre que le conseil électoral ça qui pral gen pour le monter là, mes chers compatriotes, son conseil électoral brasse, son conseil électoral l'argent. Et ceci même au niveau de conseil présidentiel transition. Parce que pas oublier, scandale corruption ça qui gen dedans conseil là, ça est petit point iceberg là, ça est petit point tête bagay là. Maman bagay là, bout bagay là, li pral vini nan période électorale là. Parce que si nèg depuis à la base, on poste direction générale, c'est acheté pour acheter, on poste ministre, c'est acheté pour acheter, pour vinn PM, c'est acheté pour acheter, pour faire partie de conseil d'administration, faut ka bay gros l'argent etc. Ça veut dire quelque part nèg yo c'est sous commerce yo, c'est sous bit bras yo, c'est sous bit van yo. Donc si dès le départ yo pa gen tan fixe responsabilité chaque moun. Chaque moun ki yo même, yo impliqué non niveau de scandale, yo impliqué non corruption. En dedans pays, en dedans conseil présidentiel la, pou yo ta freiner dérive ça. Sou di mou pral faire élection avec même moun, yo c'est même moun ça ou pral monter conseil électoral quelque part. Ou ka gen tan maintenant tête tout, mais à combien on moun pral gagner pour acheter un poste député, un poste sénateur, un siège dans parlement? Combien candidats vous pral gagner pour payer pour au moins dans prochaine élection pour connait qui est qui pral favori etc. etc. parce que bagay yo c'est brassoyé. Nous gagnons pasteur Calix Ridor qui lui-même lui parle. Nous pral connait dans bon timamite qui ça bagay lan yé dans moment n'a parler. Il faut moi dire pasteur Calix Ridor, il était parmi trois mousquetaires yo qui en dedans CTA. Au conseil transition Ariel Henry te mette campé a ti mascarade Ariel Henry te fabriqué a. Donc nous pral tande ensemble avec moins détail que la bayana. La politique ça pas ka bay réponse à ça qui a passé dans pays a. Et bien bientôt nous pral chita ensemble avec tout haïtien de lumière yo, tout groupe de population, tout secteur de lumière yo, pour nous bay l'état sa réponse, pour nous demander que prenne responsabilité yo pour nous faire Haïti avancer. J'en dois avancer à ce que le pays a pas capable. Jodi a, l'important en pile, face à bonne parole en pile qu'a fait dans la presse au sujet de choix Fédération protestante d'Haïti te fait pour le voyer yon moun représenté dans le conseil électoral là. Alors, l'important jodi a pour me présenter la population qui en Haïti a, comme à l'étranger, qui sa Fédération protestante d'Haïti représente dans la communauté protestante là. Fédération protestante d'Haïti li composée de 6 instances. Assemblée générale,
qui c'est instance suprême Fédération protestante d'Haïti et aussi instance délibérative. Il est composé de conseil national. Conseil national là composé de comités exécutifs et aussi chaque coordonnateur dans chaque département yo. Il est composé de comités exécutifs qui choisit à travers élection par assemblée générale là qui vote yo. Il est composé de conférences des chefs de mission, organisations chrétiennes, des ligues de pasteurs et des institutions protestantes non membres. Fédération protestante d'Haïti composée de membres permanents, même pas permanents, c'est membres fondateurs, et puis yo même rôle yo son organe consultatif, en même temps aussi, les gen problèmes éthiques, problèmes moraux qui posent dans la communauté, c'est yo même qui l'a pour retrancher. Il est composé aussi des bureaux des délégations départementales. La Fédération protestante d'Haïti a composé de 308 méol. Méol là, c'est M-E-O-L. M nan veut dire les missions, E a veut dire les églises indépendantes, O a veut dire les organisations d'inspiration chrétienne, elle a veut dire les ligues de pasteurs à travers tout le pays. La Fédération protestante d'Haïti est présent dans tous 10 départements, yo, chaque département a une coordination. Et chaque département a une ligue départementale et nous présente dans 146 communes. Yo. Et ensuite, pour Port-au-Prince et ses environs, nous avons 7 ligues de pasteurs, l'on mettait, donc 146 plus Port-au-Prince et l'autre 7 ligues, ça va où environ n'importe 152 organisations membres de la fédération et 152 ligues. Et meilleur qui est membre de la Fédération protestante d'Haïti. Donc, Fédération protestante d'Haïti, lui-même chaque année, c'est une institution, une organisation protestante démocratique. Nous faisons élection chaque 4 ans pour renouveler le comité exécutif. Et chaque année, Fédération protestante d'Haïti fait assemblée générale pour un rapport financier, sa rentrée, sa sortie. Pour un rapport des actions sociales, pour un rapport de toute action, ça vient pour avec politique là et avec la vie chaque jour. Fédération protestante d'Haïti, lui-même, donc lycée organe de représentation culte réformé en Haïti. Donc je dis ce n'est pas pour la première fois. Fédération protestante d'Haïti, c'est lui-même qui choisit le monde, mais c'est depuis la fédération créée. C'est toujours Fédération protestante d'Haïti, instance concernée, toujours écrit pour demander voyer moun dans le conseil électoral. La Fédération protestante d'Haïti, nous gagnons toute relation de proximité avec l'État haïtien. Et m'a dit, Fédération protestante d'Haïti, il y a 3 organisations. Je dis à cap contester choix Fédération protestante d'Haïti. Yes. N'a tout dit ça pour l'opinion publique là. Que mettez 3 organisations sa yo ensemble, yon pa ka fait poids, même yon nan 308 organisations membres de la Fédération protestante d'Haïti. M pa ka comprendre. Comment faire pour 3 organisations comprendre pour faire la loi à 308 l'autre organisation qui membre Fédération protestante d'Haïti. Et nous même nous gen preuve. C'est pas nan parlant pile dit nan bouche, on nous gen ta organisation. Mais tout 308 organisations sa yo là, adresse yo, téléphone moun yo, contact quelqu'un soit ça nous besoin al prouver, faire photo ça yo, al prouver présence yo sur le terrain. Donc là gen yon organisation qui dit nous gen 27 000 pasteurs, yo gen 14 000 églises, qui côté yo joine yo? Parce que même organisation ça yo qui membre fédération, qui dans l'ouest yo, qui dans Port-au-Prince, c'est eux même qui dans toute province yo, c'est eux qui dans toute commune yo, c'est eux qui dans toute section communale qui organisé yo. Donc Fédération protestante d'Haïti, lui même c'est un canal, yon source pour véhiculer une information qui plus rapide sous ta fait passer à peuple haïtien. Donc cependant, nous connaissons l'autre 3 organisations sont cap contester ya, yon même nous considérons comme un complément dans la communauté protestante d'Haïti et nous reconnaître valeur et nous décider nous-mêmes pour nous valoriser parce que yo fait partie communauté protestante là. Donc n'a pas tiré attention de population que Fédération protestante d'Haïti nous clair et il y a des explications qui gagnent pour bail. Nous pensons que secrétaire exécutif là parle bail comment processus là t'est fait pour que nous t'arriver à choisir
yon moun pour représenter communauté protestante là dans conseil électoral provisoire. On gagne des interventions que gagne un individu te fait donc dans radio pour dire que pasteur Florida fait acheter un caillou tout neuf pour ULCC al mener investigation sur pasteur Florida. M'a dit ça, tout le monde connaît dans accord 21 décembre. ACT pas comptable de deniers publics. ACT pas géré un goud pour l'État haïtien. ACT de un budget qui était alloué à lui-même, mais qui t'a géré par la primatie. Ça veut dire ACT pas un goud qui était passé dans le mail. Ça veut dire comme monde qui dit pour LCC mener une investigation sur moi, ça veut dire marche ton caille dans mauvaise transaction. Et même m'a fait comprendre si mon n'était connait sacré pas comptable de deniers publics, il pas t'a répété des dit ça. Ça veut dire que c'était pas un goutte comme on n'a pas connu ça. Ça veut dire qu'on t'a donné des publics. Moi, pas donné. Mais en même temps, m'a dit à la population, moi, j'ai droit pour m'acheter caille. L'aime capable de simuler moi. Mais ce n'est pas le cas. Moi, pas fait acheter aucun caille. Donc, c'est mensonge. Moun ça a bail. Donc, alors, m'a continué pour me dire, nous, ACT, nous-mêmes, nous là, et nous partions organes pour nous exécuter. Nous, c'était un organe, un structure qui était là. Pour nous capables de faire des recommandations, faire des propositions au gouvernement haïtien. Si vous voulez prendre, vous ne pouvez pas prendre. Mais c'était voilà, c'était nous pas là pour nous faire ni pour nous exécuter. Alors c'est tout ça que je me dis à la presse et fédération l'éclair dans le choix qu'elle fait et conseil national là, l'écampé des choix qui sont organes dernière instance. Décisionnel là qui c'est conseil national là d'après statut fédération donc les clair fédération clair sous choix qui était faire et n'attendait monde pour voyer dans conseil électoral là choix ça fédération pas tourner sous décision on faut ti camper et pasteur Calix Florida là parce que nous est dossier c'était à lui retourner l'important pour nous connaître pour nous comprendre que pasteur Calix Florida est à chaque conseil électoral qui montait, c'est toujours Fédération protestante d'Haïti qui toujours gagne privilège pour y envoyer membre, pour y envoyer représentant, etc. etc. Et c'est une bagaille qui toujours divise secteur protestant parce que chaque coup pral gagne élection, chaque occasion qui gagne pour y faire un choix dans secteur protestant, c'est toujours même équipe, yo dit yo même. Yo di fidèl yo, pendant yo di fidèl yo, pa rentre nan politique, et nan ciel yo pralé, etc. Mais yo même en bas, yo a fait politique. Yo même en bas, tout côté qui gagne pour yo jouen des avantages politiques, yo là. Donc, nan sa, ça vient lever tension, ça vient créer division. Même structure Fédération protestante d'Haïti, en dedans, il y a plusieurs structures, on paquet l'autre, ti groupe. Kounia, y a journée jodi a pour voir un représentant Fédération protestante d'Haïti yo fait choix l'autre monde contester mais le fait que tout petit groupe qui en bas fédération yo approuvé fédération choix fédération en fait là et puis tout l'autre yo pa rien droit parler et chaque occasion qui gagne pour monter un CEP c'est toujours comme ça donc c'est comme si son dictature qui gagne dans secteur protestant même gens tout dans secteur vaudois c'est comme si son dictature qui gagne à chaque conseil électoral qui pral monter. Comment nous voulons pays avancer? Comment nous voulons pour pays avoir stabilité? Comment nous voulons pour pays aller de l'avant? Laissez toujours nous-mêmes. Depuis le pas, nous le pas bon. Depuis le pas tel secteur, il pas bon. Depuis le pas tel groupe, moun, il pas bon. Donc, dans les affaires politiques, depuis ces questions de clan, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Moun qui est plus moun d'elle. Moun ki gen plus moun kap mache del, moun ki ka bay pi gwo l'ajan, c'est la loi du plus fort. Nous voulons pays avancer. On nous pas mettre intérêt pa nous de côté, nous pas mettre avantage personnel pa nous de côté. Nous voulons pays avancer. Secteur protestant même bagay, secteur vodou même bagay, classe politique yo même bagay, secteur privé même bagay, société civile la même bagay. Nous gon société qui divisé. Tout le monde s'est affaire par eux à régler, tout le monde s'est intérêt personnel par eux à venir défendre. Donc nous t'avons pour Haïti aller vers l'avant avec qui groupe monde. Qui est-ce qui a fait cette bataille ça? Qui est-ce nous qui a fait confiance dans bataille ça? Qui est-ce qui va prendre le devant dans bataille ça? Donc je ne veux dire on veut nous comprendre. Yo équipe monde qui échoué depuis soir Ariel Henry,
Yo pa ka jounen jodi an vle vin impose voyo, vin impose loyo. Fédération Protestante d'Haïti, yo te voye pasteur et Calixte Rudon ACT, yo René Gilbret, pour yo au moins laver image yo, pour yo au moins retirer tache qui sou yo lou, yo pas gagné pouvoir décisionnaire, yo te là comme consultant pour yo te bailler des conseils, faire des propositions etc etc. Ou font première proposition, yo pas accepté, yo pas validé, li pas passé. Ou font deuxième, ou font troisième, ou font dixième, ou font vingtième. Mais au final faut qu'ou place ou pas là. Service sort ou vin rann pays ou vin rann nation yo pa vle, yo pa vle prendre bonne note de lui même faut qu'ou di place ou pas là, c'est temps a perdu. Mais non non, yo pas perdu temps, le temps c'est de l'argent que yo gaspiller, yo payer, que yo pas gaspiller, yo payer. Donc à tous les coups que yo pas prend proposition yo, que yo rejeter proposition yo, que yo di yo, yo appliquer, yo pas appliquer, chaque mois y a touché avantage à gogo, privilège à gogo qui te mêlé yo. Donc je veux dire, on veut nous comprendre. On veut nous comprendre que nous pas qu'à continuer faire pays en ça, hein. Secteur politique là, nous pas qu'à continuer faire pays en ça. Haïti pas qu'à descendre plus bas toujours. Malheureux, yo pas qu'à descendre plus bas toujours. Moun yo pas gen côté pour yo courir encore. Moun yo pas gen moun pour yo reler encore. Yo pas capable. M'a regardé ça qui passait nan Gantier. Nèg exam 400 marozo la mo san jou yo envahi Gantier. Pa gen relé, pa gen réponse, pa gen réponse ki bay. Moun Gantier obligé courir al prend refuge nan fò parisien. Bon kounya moun fò parisien yo même yo di yo pa kapab parce que nèg exam yo, nèg 400 marozo yo bandi yo continue a avanse sou yo. La police pa ka jwenn renfort, son situation difficile ki gen. Mais c'est qui disposition qui pral prend nan moment n'a parlé à la même pour porter une réponse à ça qui a passé dans Gantier. On pas consin réaliser ça qui a passé dans Port-au-Prince là. On pas consin réaliser ça qui a passé dans département l'Ouest pays, ça qui a passé en Haïti journée aujourd'hui. Bandi a décidé ces quatre points cardinaux a fait. Nèg yo nan gressier yo a valé terrain, rentrer sud pays prolonger, li bloqué. Rentrer nord pays, li bloqué. De l'est à l'ouest, chaque point sa yo, chaque point sa yo, yo gon groupe gang ka ferraille, yo gon groupe gang ka fè la loi. Nous pensons son c'est pas ça. Nous pensons son c'est pas ça, nèg yo contrôler accès en mer, yo contrôler kounye ale, yo pralé nan Gantier, yo contrôler frontière là, yo contrôler et côte des Arcadiens, yo attaqué Akaye, yo attaqué Cabaret, yo voulait contrôler périmètre ça. Donc à tous les coups nèg yo gon projet, yo gon plan bien défini. Moi même ka pa konnen ou ka pa konnen l'autre ka pa konnen parce que nous pa nan base nèg yo, nous pa nan gang nèg yo, nous pa nan tete lan avec yo, nous pa konn ki plan yo, nous pa konn ki sa yo gagne comme projet. Mais yo gon bagay yo voulait faire de pays. Yon gon moun ki ba yon mission parce que si c'est bataille peuple qui t'a fait, si c'est bataille pays qui t'a fait, à un certain moment yo t'a pressé malere yo qui pa ka vivre, c'est malere yo qui pa ka, qui pa gon côté pour yo al pran soin, c'est moun yo pa gon côté pour yo rete, c'est malere yo qui a dormi même côté chien a fait poupou, côté moun n'a fait poupou, c'est là moun yo a dormi. C'est la moun yon fè manje yo, en bas trois roches di fè, sa kap dormi nan cimetière, sa ki... Mais on nous sérieux. Bataille pour délibérer pays a kap fèt kon sa. En révolution a kap fèt kon sa, m'pa kon comprenn. En vérité, moi même pou kon comprenn sa kap passé ya. Il est tellement vrai que derrière action nèg exam yo, gen yon men ki kache, gen yon men ki ap tire sou kòd la, gen yon men ki ap tire sou ficelle la. Nous ka remarqué que gen de côté nèg yo te kon attaqué, gen de série de côté nèg yo te kon frappé, c'est comme si yo joine l'ordre pour yo pas attaquer, pour yo pas frapper là. Continuer, va l'intérêt, continuer à l'attaquer, continuer, allez dans cabaret, allez dans akaye, prend côte des akadien, allez. Gon bagay ki d'elle. Bien, on nous attendait
un extrait bien rapide de l'intervention ancien premier ministre Evans Paul qui lui-même li rete quoi que conseil présidentiel transition et sous route pour craser parce que nègre pas prend mesure pour réaliser élection et c'est plus gros danger, c'est plus gros échec que pays d'Haïti ka connaît dans toute histoire politique li. On nous attendre rapide vite qui ça qui t'a dit combattre corruption. OK, maintenant qu'on y arrive ça. Est-ce que le système là bloqué ou l'on est premier ministre ou bien président pour bailler résultat? Parce que moi marqué gros problème grave n'est pas premier ministre les sorti dans premier ministre sans moi il va bailler résultat moi il pas bon n'est pas président en moi il pas bon finalement sacrifié parce que avant ça n'est pas l'idée il a gros programme il a gros projet. Et puis, il y a un système de plop. Et puis, il y a des critiques acerbes. Monsieur Babarien, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme ancien premier ministre, comment on peut expliquer ce qui s'est passé, Nexao, levé sous pouvoir, ça crive ou même en termes d'expérience, ça crive président, nous ne pouvons pas comprendre pour nous arriver jusque-là, je vous dis. Eh bien, c'est le problème de commencer dans le commencement de l'émission en question de l'État. Et si on prend. Alors, ma baye une anecdote. On l'a mal joué un spectacle. Vous connaissez mon fête? Oh, je connais. Il n'y a pas de connaître. C'est un peu jeune, ça, là. Daïs connaît. Daïs connaît. Et puis, mal fait un spectacle en 1986. Mal fait un spectacle en B. Mais, je planifie ce spectacle-là. Je joué à 5 heures de l'après-midi en B. Et m'a joué à 7h30 au Cap-Haïtien. Alors, Cap-Limbé, ou t'as pas trop mal de ça. Ouais. 45. Plus, non, non, 30 minutes. Là, mais, bah, la taille. Et puis, de vos machines, que les ladans y va. Bah, oui. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Gardez pour arrête, machine. Mais son machine que. Moui qui était au soviétique, oui, oui. Soviétique, au fait. C'était Ernst Bennett qui était en machine en Haïti. Et qui a une qualité? Il a un problème ni tout. Oui. Imaginez, là pour me sortir les B, la machine n'a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Alors, pour les gens qui sont chauffeurs, qu'on y a, il n'y a pas de frein parce que toute machine qu'on y a, c'est automatique. C'est deux pédales. Oui, l'autre, c'était trois. C'est trois pédales. C'est-à-dire que tu as une cloche. Et bien, le ça, là, c'est vous-même, c'est chef tout là. Il faut prendre responsabilité de tout. La machine n'a pas de frein. Et gon côté que les la couple en B. L'opéral cap haïtien on pour passer pile beau que un gros monde. Gen pour passer Bédourette qui sont le gros monde entre eux et Plaisance et Limbé. Et après Limbé, on vont tomber zone monde rouge pleine du nord bah comme ça ou gen pour passer la couple en B qui sont type monde difficile. Mais ça me dit très jeune. Imagine on mal conduit là-dedans sans fin. Dans la couple bien non bon mais faut fort faut rappeler oui faut te connaître clôture et faut te connaître frein ou bon bah écrire les compressions oui compression mais compression oui. Pas tellement gagné dans la machine automatique là sauf sous mettre sous un deux trois ou mettre non bah comme ça oui. On n'a pas la même qui chauffeur mais l'important compression en quatrième ou point troisième ou point deuxième mais machine ralenti la machine clôture a un genre pour faire compression pour machine ralenti c'est presque clôture là accélérateur pour pas accélérateur oui. Pour se dans bataille parce qu'on pas peser frein on pas rien frein pas rien frein c'est ton gros risque qui fait là par exemple moi arrivé au cap ça accident son miracle alors on prend une image oui c'est comprendre pas c'est si machine n'est pas bon que ça chauffeur mettre sous lui et l'autre a parlé oui oui son problème de machine son il y a parlé de l'état il y a parlé de administration publique. Ou changeons chef. Mais la structure, si structure. Demeurer telle qu'elle. Chargé problème. Ou mettez Rameau chef de la police. Puis fort policier parti dans Biden. Il va prendre l'ordre. Il va pas préparé, il va pas motivé. Moi, je marche dans l'arrière, je suis un bout de balle, je suis comme ça, je relax, je suis un zanno, je suis comme ça. Moi-même, je regarde ça, ça ferme la peine. Parce que les policiers ont une image, ils ont des gens pour lier,
comme scoop. Comme c'est image autorité publique là, mm-hmm. mais je le présenter à lui-même tout lui commencer pas inspirer pas seulement confiance non respect. Bon, l'entrée, on va entrer aux États-Unis. Soit pour la République dominicaine, l'officier de l'immigration, bon j'en habillé, bon j'en pour lier pour le recevoir. Il a fait au même bon j'en pour habiller tout pour entrer dans le pays mon Dieu. Non, on va rien droit parce qu'on parti, on propose va mettre bout pantalon, ça pas sous, on va faire ça non. Parce que faut pas la peuple là tout. Parce que gagne une mon bon qui parti mettre ça pas sous yo, mettre ses maillots chemisettes sous yo, pas rien droit faire ça. On va entrer dans le pays au monde. Non non, bon j'en pour habiller, bon j'en pour lier pour respecter tête toi. Alors presse. L'État. Mm-hmm. Sont tous liés. Là, l'État est effondré. Et on met n'importe qui gros entraîneur. On met le nom tête sélection nationale haïtienne. Mm-hmm. Pas de résultat. Il pas même qu'à qualifier. Parce que actuellement, on y est. Il n'a pas de cohésion. Ma propre équipe qui petit trait dans le monde, Brésil. Mm-hmm. Il n'y a pas de résultat parce que le championnat là, il n'y a pas compétitif. Bon. Puis il faut jouer ou avoir l'étranger. Exact. C'est même bagaille là. On prend M. Kone, Dr. Kone, qui est à l'étranger, l'entrée dans le pays. L'entrée avec sa tête, li, à qui équipe? À qui vision? Mm-hmm. Qui base? Qui dossier? C'est difficile. Qui fait si nous ne faisons pas recul pour organiser l'État, pas de résultat. Donc, maintenant, il a besoin d'une avant. Comment organiser l'État? Eh bien, gagner plusieurs bagailles qui ont parlé tout le temps et gagner. D'accord, pas brûler, dit fait pas émaillé. Et qu'on nous dit en parole et puis nous pas respecter, nous prenons l'autre. Président Jovenel Moïse s'est lancé. Scoop! Les États généraux de la République. Qu'on y a un temps de gain sous table là, projet conférence nationale. Pour qui ça? Tu n'as pas fait toute ville la paille de conférence nationale. Toute là. Même pas quoi, en pile, on te comprend, ça s'arrive. À qui ça ne c'est sécurité. Là. Son bagaille n'a pas moyen au coup par coup. Mais son bagaille qui m'a dit pour nous garder dans toute dimension. Li. Pas dans la dimension militaire, policière, mais dans la dimension fondamentalement politique. Et il faut moyen sous plan. On m'a l'aigne qui a plongé le pays d'Haïti depuis tout le temps, qui est les précarités. Mm-hmm. Pour nous sortir dans l'insécurité, il faut une vision qui allait. De la précarité à la prospérité. Mabdou, est-ce qu'on est capable de regarder le peuple Charles pour le deal d'une gang? Scoop! Pas parce qu'on a un cob. Parce que mon éducation m'a monté bas. Vous avez fait effort à vous. Pas parce qu'il a un cob. Mm-hmm. Parce que ou pas qu'à gang. Mm-hmm. Qui fait, lorsqu'on parent ou un papa qui fait petit, qui la gueule. Moi, actuellement, quand on bon, longtemps qu'on papa, qu'on la gueule petit, on a un pile maman qui la gueule petit. Moi, on aime des exemples de cas de monde non fait petit à la gueule, papa a voulu prendre, les prendre. Qui fait, sous pas résoudre problème non, à ce niveau-là également, ou on pépinière de bandits. Parce que bagay bandit, c'est pour nous jouer. Moi, je garde la dégradation situation de année en année. Première fois, m'entrer comme magistrat à Port-au-Prince, c'était en 1991. C'est la première fois, m'entendre des mots chimères. Entendez, mon chimère, gagnant, qui dit que ça est chimère. Oui. Mm-hmm. Alors, chimère, son négligeable, il n'est pas les forts. Oui. Bah, voilà. Nous songeons, tu es une personnalité qui était ministre du commerce sous premier gouvernement Jean-Bertrand Aristide, qui devient premier ministre par la suite, c'est Marc Michel. Marc Michel. Un homme respecté, un homme d'affaires, etc. Ça lui a mis moi aller. Et puis, des militants, allaient aller chez en bas d'elle dans le ministère. Et puis, tout bail ça, c'est dégradation. Hein? Mm-hmm. Bah, pouvoir et pouvoir peuple là, nous pas les bourgeois. Mais qui est-ce qui nous met bourgeois? Nèg peuple là. Nèg peuple là. Qui font arrêter, et pas pour deux autres pour ça, qui font arrêter présidentiels qui sont. Le journal officiel. Mm-hmm. Journal officiel. Et puis, on a dit non, bourgeois ça, on va les voir. Mais bourgeois ça, il se porte campagne là. Ouais. C'est quelle grande hypocrisie au micmac. Mm-hmm. Et si nous pas. Il n'y a pas de conférence nationale là. C'est que pays, c'est ça, l'inégalité sociale là. Mm-hmm. Bourgeois a une place. Peuple a une place. Tout le monde. Pas grand. Le problème, nous sommes en fait de chaudier à bouillon, c'est le bois. Faut tout le monde manger. Faut tout le monde aller à l'école. Ouais. Faut tout le monde avoir une opportunité. Mais si on est bourgeois, il
qui a capacité pour bourgeois, qui a rompu belle caille passée. Faut comprendre ça. Mon a gagné machine, quantité de machine sale qu'a acheté. Normalement, paye taxe tout. Et puis pour aider pour gagner moins pauvre dans la ria c'est ça y a les cohésions chaque monde fait rôle parce que société a tout monde pas même gens qui fait là question cohésion sociale question organisation l'état les fondamental c'est ça crise nous et on s'est pété neuf monde et bon en discussion tout le temps et puis désaccord tout le temps désaccord tout moi même passé une expérience de pouvoir déjà ou pas capable de faire un pouvoir exécutif tout dans le Parlement. Parce que laisse ça où nous trouvons parler en pile, dans la discussion, dans la contradiction. Et c'est ça qui prend le fait que même l'on nègre font bagarre, il tombe sous l'autre. Parce qu'on est abdou, on accepte pas bon, on accepte aussi ceci, cela. N'importe comportement de yon, il réjaillit sous l'autre. Et ça prend le fait pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif n'a pas qu'à souffrir de ça. Le pouvoir exécutif est symbolisé par une personne. Et c'est pas nous-mêmes qui inventé science politique là. Nous pas capable faire des bagailles et puis nous pas qu'à gérer depuis pays à créer un pouvoir qui symbolise et c'est pas nous-mêmes qui fait. Donc schéma ça pas schéma bon. Ça pas qu'à marcher. Et me dit déjà me gagne qui fâche avec. On est mon dans CPT. Ah non, il a dit ou de premier ministre déjà. Non, c'est pas de ça on a parlé, c'est pas parce que m'étais premier ministre déjà qui fait pas que baim ka dit pas que baim comprend toujours été haïtien, toujours été citoyen haïtien. Comment pas parler, m'ai droit à opinion moi. Vous comprenez? Mais CPT a pas opinion même sous propre tête moi. Pas capable opinion sur l'autre monde depuis que monde sous pouvoir, tout monde ka parler de où? Pas que baim comme ça, m'pas gain problème individuel avec monde dans CPT. Même que voulait ma formule là parce que m'connais le est-ce que ça veut dire qu'il va mener une élection? Difficilement. Oh! Difficilement, il y a trop de contradictions. Et voilà, nous attendons tout détail, toute explication et position ancien Premier ministre Evans Paul. Toujours aimé dire, et c'est le nègre de au pouvoir. Et yo ouais comment politique là t'es fait autrement mais là on a pouvoir là on a poste de responsabilité a yo fait politique là dans façon pa yo dans façon que faire plaisir dans façon capoter et profit intérêt pour yo ak clan yo ak acolyte yo donc c'est toujours en perception que nèg yo bay que si yo ta gen pouvoir journée jodi mais comment yo ta fait bagay yo changer mais nous toujours comprendre nous toujours ouais tout c'est politique là qui fait comme ça. Et nèg sa yo nou pa ka fè yo confiance, pa gen anyen yo di ki sensé vérité parce que c'est des séries de moun qui te gagné mission, qui te gagné engagement, qui t'a touché pour yo font job, qui pa privé fè job là, non pas parce que yo pa gen moyen, non parce que pa oublier yo te gen l'argent disponible pour yo faire, mais par manque de volonté ou bien par manque d'intérêt tout simplement. Donc c'est ça que politique en Haïti et c'est ça que fait nous doit bataille pour nous faire politique là autrement. C'est là n'a mette en bout dans émission pour jodi hein. C'est un véritable plaisir pour nous porter information si là pour vous. Restez connecté à channel là pour reste programmation. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou rien mes pays et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennui, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.